Emmaüs est d'abord une page d'évangile. Emmaüs, le nom de village. Emmaüs, c'est un chemin. Emmaüs, c'est aussi une maison, une auberge. Emmaüs, c'est une école de prière. Emmaüs, c'est un éclairage sur le visage du Christ. L'histoire biblique des deux disciples d'Emmaüs raconte comment un chemin de tristesse peut devenir une promesse d'espérance. Deux compagnons découragés ont quitté Jérusalem. Tandis qu'ils s'éloignent de la ville sainte, un inconnu les rejoint, s'approche, les interroge et commence à leur parler. Pour les disciples en route vers Emmaüs, la nouvelle les a fait sortir de leur propre apitoiement et de leur mauvaise interprétation des Écritures. Par ailleurs, cette nouvelle les a amenés à se plonger plus profondément dans le mystère de la passion et de la mort de Jésus. L'histoire d'Emmaüs part du pain rompu et partagé au petit groupe. Mais c'est encore peu de choses pour lui. Si ce geste n'est pas habité par une lumière plus profonde, il ne vaut rien du tout. Quelque chose s'éveille en eux et les bouleverse intérieurement. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis que nous parlions sur la route, diront-ils, lorsque leurs yeux s'ouvriront et reconnaîtront Jésus ressuscité. Ce récit biblique des disciples d'Emmaüs est avant tout une école de prière pour notre vie. L'itinéraire des deux disciples nous offre un modèle et une consolation nous aidant à découvrir la présence de Dieu qui marche avec nous, surtout dans les moments difficiles de désespoir et de tristesse. Prier avec les disciples d'Emmaüs nous est une invitation à retourner aux Écritures avec de nouvelles questions. Jésus ouvre les Écritures aux deux disciples et il insiste sur la nécessité des souffrances du Messie pour que celui-ci entre dans sa gloire. Est-ce que notre lecture biblique nous mène vers une expérience du Seigneur ressuscité, comme cela fut le cas pour Cléophas et son compagnon? Prier avec les disciples d'Emmaüs nous amène à une expérience de louange en communauté. Les disciples éprouvent un nouveau sens de l'appartenance et un nouveau courage pour témoigner de la résurrection de Jésus. Ils ne sont plus tristes et déçus. Ils sont lentement passés des ténèbres et du désespoir à la foi. Ils sont eux-mêmes devenus porteurs de la bonne nouvelle et capables de louer Dieu en esprit et en vérité. Prier avec les disciples d'Emmaüs veut dire répéter leur prière souvent, « Reste avec nous, Seigneur ». Par ces paroles, les disciples d'Emmaüs invitèrent le voyageur à rester avec eux, alors que parvenait à son terme le premier jour après le sabbat, au cours duquel l'incroyable était arrivé. L'Évangile d'Emmaüs nous fait comprendre que nous sommes aussi attendus pour un autre repas. Le Seigneur se met à table avec nous, il prend le pain, il le bénit, nous le donne. C'est un geste qui résume toute la mission du Christ. Rien n'est plus utile à l'humanité que ce partage concret et fraternel. Ce repas est le moment d'une révélation. À Emmaüs, pendant que le pain est rompu, les yeux des compagnons s'ouvrent, ils reconnaissent le Seigneur, il est vraiment ressuscité. Désormais, la victoire de l'amour contre toutes les tristesses de ce monde est assurée. Mais le Christ disparaît. Ses disciples sont passés de la désillusion à l'enthousiasme. Aussitôt, ils partent sur la route comme des messagers d'espérance. Je termine ma réflexion en vous offrant cette belle prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci pour ta voix qui nous parle dans les Écritures. Que ta parole nous transforme en témoins, en prophètes, en hommes et femmes de l'aube. Trace pour nous les chemins au milieu de nos déserts. Maintiens parmi nous les signes de ta présence. Ravive en nos familles, en nos communautés, la foi en tes promesses de vie. Et qu'au souvenir de ton amour fidèle, nous allions aussi loin que ton esprit nous entraîne. À la suite des disciples d'Emmaüs, que nos vies soient le reflet de ta vie. Que plus nous étudions les Écritures, plus nous te trouvions, que plus nous te connaissions, plus nous nous immergions dans ta parole, qui est vérité et vie pour tous les âges. Amen.